Grand point cap dominé actualité en nous porté pour Guy Philippe Kokenangorge communauté internationale CARICOM à tout politicien qui continue à chercher manger dans pays d'Haïti yo révolution Guy Philippe a prôné à prendre l'autre dimension mes chers amis ralenti chez vous pour attendre ça gagne dans pays d'Haïti après journal officiel payant le moniteur fin publié décret conseillant présidentiel lan. Bandi vivant sans mieux continuer à mettre pied à terre. Sermenté 7 fois 77 fois, y a éliminé Port-au-Prince net. Si conseillant présidentiel lan arrivé installé. Yo continue à saccager bon palais national. Katouchan a fermé Kalawa dans tout petit coin bon palais national. Rete connecté. Détail yo a vini. La police en ville au Cap mette pied yo à terre. Maritan Koukram, superviseur douane au Cap lan, Jean-Bernard Joseph pour complicité lan nan fè zam à katouche passé pour aljwenn malveillant yo nan douane nan. En ce qui a trait à kan dossier la médaïti gen update, gen nouveauté mes chers amis, rale ti chez ou pour al découvrir nan vidéo ça ensemble avec moi. Quel détail ou besoin qu'on est sous la meilleure qui capable de gagner bon genre matériel pour attaquer gang yo dans jour qu'a vini là yo c'est quelque parmi grand point qu'a dominé actualité en nous porter pour vous mais avant même nous entrer dans détail comme d'habitude qui t'aime encourager chaque gagne dans nous même qu'a garder nous qu'a tendre nous là abonnez à Kechou News si toutefois pour que j'aime ba nous love là. Pas oublier dit nous qui côté ou suivre nous, ça a fait nous plaisir en pile. N'a voyons un big up très spécial pour chaque grand monde qui a suivre nous au Canada. Sans trop parler en pile, n'a entré dans détail et c'est avec nouvelle ça qui gagne pour la police nationale d'Haïti qui fait un bel bec dans la ville au Cap, n'a commencé Haïti Trafic Zam, la police nationale d'Haïti, Maritan Koukrab, superviseur douane au Caplan, Jean-Bernard Joseph, jour qui était mardi 13 avril 2024, là, pour complicité dans Trafic Zam. A rappelé la police ont saisi 26 âmes, 999 cartouches, 34 chargeurs, 482 000 goudes. À 40 000 dollars américains dans APN au Cap là en date 5 avril qui saute passé là c'est commissaire gouvernement au Cap là Edouard Durand qui te mette mandat derrière Jean Bernard qui c'est superviseur Edouane au Cap là qui t'a gagné mail trempé dans zam à cartouche qui passé dans douane pour aljoindre une série de gros courants dans pays d'Haïti en tout cas diaspora malgré ça qu'a passé dans pays d'Haïti continue à voyer zam à cartouche une série des zam fan fois vin joine un gros coup de patio pour continuer simer la trouble dans pays et bien Jean Bernard Joseph qui c'est et superviseur douane au Caplan li en bacode pour complicité là nan cargaison zam à cartouche ça. La police a saisi 5 avril qui saute passé. L'autre nouvelle qui a dominé l'actualité, nous portons pour la vidéo ça, mes chers amis. Bandi vivant sans mieux sémenté 7 fois 77 fois. Il a éliminé Port-au-Prince net. Si communauté internationale a CARICOM, pas tant de la raison pour retourner sous décision, pour quitter Natiwa. Conseillant présidentiel là et bien après journal là officiel pays le moniteur fin publié décret conseillant présidentiel là bandi vivant sans mieux mandé enragé yo dédoublé et mettez pied yo à tête dans capital en pays y a boulé y a pillé y a fait une série des actes malhonnêtes hier samedi sous champ de mars en bagaille yo était extrêmement difficile. La police a te gen bagay nan men la parce que bandi vivant san myo jan ap gade image ou m'a parlé en bas vidéo an la et bien mes chers amis c'est et sous Jean Demas sans bandi yo tap
toke kon yo ensemble avec la police katouche ta fait mikala wa sa ki bli tris lan ou pa konnen exactement ki kote katouche yo ap sorti bandi yo gen kote yo caché la police pa ka konnen exactement kote katouche yo ap sorti et bien bandi vivant sans yo continue ap mete pied yo a terre continue ap simé la troublaille aux alentours de palais national pour capable prendre contrôle en palais nan objectif pour empêcher conseil présidentiel lui-même li capable installer bagay yo compliqué dans pays d'Haïti mes chers amis dossier conseil ça fait bandi yo mandé enragé qui ça pral passer dans jou k'ap vini yo là ou même k'ap vivre dans pays d'Haïti surtout aux alentours de palais national veillez côté wap mete pied ou parce que bandi yo toujours à terre. En tout cas, bagay yo compliqué. Guy Philippe, koke nan gorjan communauté internationale lan ak tout CARICOM et yon série de politiciens malveillants qui toujours a chercher manger dans pays d'Haïti mes chers amis. Révolution Guy Philippe a prôné a prend yon l'autre dimension. Partisan Guy Philippe yo cementé 7 fois 77 fois. Y a installé Guy Philippe pendant boule figi CARICOM malgré publication décret qui créait conseiller présidentiel là lui-même li publié ça pas empêché fanatique Guy Philippe yo ak équipe Guy Philippe là rete très serein yo rete quoi yo rete ferme que y a arrivé installer Guy Philippe gagné en pile journaliste dans moment qui commençait bailler Guy Philippe responsable tout ça qui a passé en Haïti plus précisément dans capitale pays à Jean Bandio a fait des gars parce que au fait connaître Guy Philippe qui fin faire mon quoi dans lui-même il ca faire une révolution pourtant jusqu'à présent même pied Guy Philippe il pas metté à terre nous gagne journaliste Ismaël Valestin qui parlait en pile causé dans un audio concernant Guy Philippe conseil présidentiel là et révolution wa. Bon qui t'attendait après n'a retourner pour récent information nous porter pour dans vidéo ça Guy Philippe et lui mettre dans tout ça pour que ça me dire Guy Philippe mettre dans tout ça on dirait que Guy Philippe gagne un mouvement la poté pour faire révolution parce que Haïti besoin révolution parce que gens on a vivre dans pays il y a normal pour monde pour être humain à vivre dans condition ça un gars Guy Philippe m'a dit c'est lui qui est responsable peut-être il saute dans prison un gars pas gagner c'est des monde bon côté pour le faire travailler le besoin et en bataille ou pas de limiter c'est peut-être ça Guy Philippe a payé aujourd'hui ou pas de limiter en bataille c'est moi même c'est mon gars il est venu lui ouais mon yo sous chalet nous n'y a besoin, on l'autre son cloche pour dire bon fun fin avec Ariel, il tout la gueule. Mais on dirait pas de gagner dans main. Il n'y a pas de gagner entourage vraiment. Il n'y a pas de moun avec qui dit mais comment nous déplacer pion yo. C'est ça qui fait mon ami responsable. Mais ce n'est pas de mauvaise foi. Il n'y a pas de moun bon côté. Et comme ça, monsieur, comprenez. Et moi, toujours dit là, dans boucanter la parole. Depuis où besoin pour un pouvoir, guerrier, il dit lundi. Ou j'ai ton pouvoir au prendre, je viens négocier avec vous. Comment on pouvoir pour le sortir, c'est dans la négociation avec elle, tant pour souple papa chéri, tant pour souple monsieur, dame, les ministres, ma tante ministre, ton ministre, tante ministre, si y a des documents ça pour nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas ça. Son groupe, mon société a dit, tant pas nous a fini, nous faisons trop, yo bouquet avec nous. Si yon bouquet avec nous, nous pas capable de nous avec vous. Et jusqu'à présent, Mabdouli, chance Guy Philippe là encore là, oui. Tout le monde a dessiné qu'a fait là, tout le monde a fait là, chance Guy Philippe là encore là, oui. Ou si besoin de négociation pour envahir par le national, vous faites ça? Ou te 7 février, bataille là fini. Alors c'est pas ça là, doué. Ou sorti, tout le monde conscient. Tout le monde conscient. Les 33 mois de Ariel Henry, c'est une catastrophe pour le pays.
catastrophe pour Haïti. Et m'a demandé combien de temps n'a besoin pour nous réparer catastrophe ça. Combien de temps n'a besoin pour nous réparer dégâts équipe gouvernementale ça fait Haïti. On peut cap trépasser non mais nous souffrance masse là pas les noyer souffrance femme et garçon dans pays là souffrance tout le monde pas dit noyer pas déranger nous. Mais mes amis, mais mes amis, je ne sais pas comment ça réserve mon yoye. Mais à l'époque fermé, bateau pas rentré, parce que tout peut rentrer. On nous connaît ici manger poule blanche en pile, haïtien manger qui se poule en pile, côté le bois jaune ni. On sait que mon lag de l'argent pour l'acheter poule chaque dimanche, ou bien lève le manger poule là. Côté le bois jaune ni. Je comprends ça. Radio Omega. Je comprends ça. Parce que depuis là, nous n'avons pas de petit monde, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de petit. Et puis nous jeunes pouvoir, nous rentrons dans le pouvoir avec facilité. Parce que nous n'avons pas de petit ou pas sensible. Nous n'avons pas de petit ou pas sensible. Et nous, regardez la journée où nous avons 50 ans. Ou dans l'État, ou avons travaillé. Ou avons 60 ans, ou dans l'État, ou avons un petit. Il faut que tu poses une question. Femme ou garçon. Pour qui ça, ou va d'ailleurs pouvoir comme ça. Parce que les gens ici, ou pas de petit monde, ils intéressent à pouvoir. Si vous avez un petit peu de machin, nous sortir au cap, vin porto, vin de un job, vous avez fait lui. Les gens ici, qui pas, les gens qui font ici, qui pas jamais pas dans l'État. Pas capable à y'aurait les, pas jamais pas dans l'État. Tout pouvoir là. Mais à regarder, qui ça, mieux réglé pour payer à zéro, mais toujours, moun sa yo, toujours présenté tête yo, comme mettre comme faisait de pouvoir, c'est moun sa qui contrôle le pouvoir. Go document, qui sorti dans la presse nationale, lire les, document relé, ben, partage là avec nous, puisque, il te rassemble aux nouvelles. Comprenez ça me dit, il te rassemble aux nouvelles. Ben, essayez de garder document ça avec nous. Son document, gros compagnie international, te gen doit dire bon, moi-même, pas venir là, pas qu'on garantie que je viens là. Mais, écoutez, son rice planifié des vols internationaux au Cap-Haïtien. Son rice planifié des vols internationaux au Cap-Haïtien. Allez-y, même là encore, gen des arrangements de capable de faire avec son rice pour nous débloquer un pin de monde là dans Port-au-Prince. Pour nous débloquer un pile monde qui est bloqué à l'étranger, qui est capable de venir là. Mais ça n'a pas dit à nous rien. Ça n'a pas dit monde qui a dirigé le pays rien. Ça va dire même. Ça va dire mon nom, non? Ça va dire ministre de la Justice, non? Parce que chaque fois qu'on passe aujourd'hui, dans Port-au-Prince, chaque monde met des petits barricades. Chaque monde met des petits portails. Jeune garçon a fait brigade. Jeune garçon, jeune femme a fait brigade chaque soir. Chaque monde mettait ses activités par eux pour empêcher ou envahir zone. Depuis l'événement passé, à part Ariel qui est venu là et dit bon, ma vie ceci là. Pourquoi jamais on conférence qui baille comme si pour ne pas venir me dit nous présenter bilan. Mais qui ça bilan événement oui. Mais qui ça bilan événement oui. L'école fermée pendant 2 mois dans Port-au-Prince. L'école fermée pendant 2 mois dans Port-au-Prince. Voilà mes chers amis, gens que vous soutenez à ce comme ça, Ismaël Valestin lui-même, lui t'a parlé sous dossier révolution de Philippe, t'a prôné dans tout pays, hein, depuis le lui retourné. Hein. Allez dans l'espace commentaire pour dire qui ça vous pensez de série déclaration ça, yo, Jean-Ismaël Valestin lui-même. L'étape, l'autre information qui a dominé l'actualité. Pendant le week-end, là, mes chers amis, nouvelle ça, tu es tombé dans le pays d'Haïti, tant qu'il y a une bombe. Tout le monde a posé cette question. Finalement, est-ce que la communauté internationale, surtout les États-Unis, a fini par quitter
FADH lan genyen bon jan materyèl lan pou kapab kontre kare gwo koure yo. Et bien genyen yon senateur ameriken ki di fòk kan gouvernement ameriken yan e pase menan lwa anbago sou peyi d'Ayiti pou la meyan pa gen zam pou la meyan pa operasyonèl paske li fè konnen la me d'Ayiti ka rezoud problèm ensekirite yan yo pa menm bezwen panse avoye fòs multinasyonal nan peyi d'Ayiti paske li rete kwe la meyan depi li jwenn bon jan materyèl li kapab rezoud dan problèm ensekirite ya genyen ancien colonel Imle Rebu ki gaye won nan mes chers amis rale ti chezou entendez ancien colonel Imle Rebu sou koze la médaïti pou kapab comprendre sa kap passé et ki sa bagay lan ye exactement entendez ensemble avec moi entendez cette histoire très bien alors nous te besoin et tendez avis pa ou comme yon et comme militaire parce que pa gen ancien militaire ou militaire pour la vie. Et le sénateur et Marco Rubio, je dis à qui font gros déclaration en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti, la mène en plaidoyer donc auprès de l'administration donc Biden et pour États-Unis ta et lever embargo. Alors selon déclaration qui relayé par Miami Herald, donc il plaidait en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti pour États-Unis, ta fait ça au connait si vous voulez aider Haïti. Et vraiment donc en matière sécuritaire donc puis t'a levé embargo zamnan pour l'armée parce que li croit que l'armée et t'a doué jodi a donc et combattre gang yo et avec la police donc yon telle déclaration ou pensez que nous-mêmes nous t'a de saisir opportunité ça pour nous faire débat sur lui. Bon, c'est un bail que nous t'ai doué préparer sur le plan technique parce que nous voulons que nous pas voulons. Les États-Unis a obligé tourner autour de questions. Ça y est, on peut résoudre dans l'immédiat parce que son loi que lié. C'est bon loi qui mettait en embargo sur Haïti. C'est bon loi qui empêchait l'armée américaine de relation et le gouvernement américain de relation directe dans l'utilisation des matériels létaux, c'est-à-dire que des armes qui capables de la mort à l'armée d'Haïti. Très bien. Mais les États-Unis toujours dit de manière très claire, ils n'ont pas le droit pour empêcher Haïti de prendre une décision en ce qui concerne leur armée. Ils ont une loi la caillou qui empêchait que ils vendent matériel militaire à l'armée d'Haïti. Maintenant, position sénateur ou bio, moi-même, capable de m'être anticipé depuis quelques temps. Au point que me demandé certains camarades de faire une survey sur le matériel militaire à avoir. Parce que le matériel militaire, c'est pas matériel qui va à la mort. Par exemple, le matériel de transport, le matériel de communication, et le matériel d'habillement, et les équipements, c'est deux bagages qui ont gagné droit à bas. Et sur plus bagay qui est caractère le tout que ou pas capable de la caillou kounien ou capable de venir ailleurs. Par exemple, un pays comme l'Équateur, un pays comme le Mexique, ils ont des relations avec nous en matière d'échange militaire. Dernièrement, nous avons des délégations qui étaient parties, qui ont étudié l'utilisation des drones dans le cadre d'une campagne. Donc, c'est un monde qui en Haïti, ok, ou bien pas tellement qu'on est, ou bien timoré parce que qu'on parle pour nous qu'on est. Je dis à l'état-major dépend totalement de la volonté et du ministre Enol Joseph. Ouais, de la défense. Ouais. C'est lui-même qui décide de tout bagage, c'est lui-même qui va grade dans la même date. Ah bon? Oui. C'est lui-même qui décide qui monte à bien grade, qui monte pas bien grade. Et quelque part qui met en sorte de désordre dans l'organisation l'armée. Parce qu'on est l'armée qui fonctionnait de manière hiérarchique, en hiérarchie droite. Très bien. L'influence latérale crée de sorte de déstabilisation là-dedans. Il y a une situation comme ça présentement. Maintenant, situation nous gagne là, que nous voulons, que nous ne voulons pas, l'a abouti
à une utilisation des forces militaires. Mm-hmm. Maintenant, c'est monsieur militaire qui l'a qui pour préparer. Préparer en ce sens. Si vous demandez aujourd'hui à qui ça a besoin en matière de matériel, d'équipement et d'armement, c'est trois bagages différents. Mm-hmm. Matériel, équipement, armement. Armement. Mm-hmm. C'est trois bagages différents. Mais il faut qu'on liste qui tout près. Parce que c'est ça, là où est Bob Rete Vinil de Dou, il parle avec mon cap dirigeant Haïti, il parle de sentiment que vous bien comprenez, ça a fait ou bien anti-saoui, c'est vrai. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas préparé, du point de vue intellectuel et organisationnel, sur le papier, sur le papier. Pour nous faire capter nous. C'est un travail que nous, qui n'avons pas major aujourd'hui, n'avons pas besoin d'autorisation pour ça. Ça veut dire que nous avons établi contact. Qui ça d'abord, même colonel Himmler, oublie que l'État haïtien est capable de faire qu'on y a là, sous question ça, ou du moins sur l'armée, ou bien au état-major la mer. Toute action est d'abord dans la pensée. Si tu n'as pas une pensée, tu ne peux pas avoir une action ordonnée. Oui, c'est clair. Moi-même qui suis un officier qui n'est pas actif dans l'armée, même je travaille régulièrement sous tout document organisationnel. Sous officiers que nous capables mobiliser pour la réouverture de l'académie militaire, sous officiers qu'on capable utiliser au niveau des services de renseignement, sous officiers enrôlés qu'on capable utiliser nos organisations en prévision de. Mm-hmm. C'est pas de monde qu'on peut aller le mettre en action parce qu'on va gagner pouvoir pour ça. Mais si une situation présentée, par exemple, où imaginez qu'on doit être devant. Il a dit qui matériel et équipement que vous avez dit pas qu'on est. Ouais. C'est pas normal. Donc, nous devons faire service par FM parabellum. Très bien. Si vous faites la guerre, si vous souvenez la paix, c'est la guerre. Vous préparez pour préparer la guerre. Pour que vous, je dis à moi-même, je connais mon nom que nous avons. Nous avons deux catégories de monde. Nous avons deux catégories de monde souterrain qui ont renforcé les rangs de l'armée. Tout de suite, nous avons l'autre catégorie de monde qui est à l'extérieur, qui gagne expertise, qui connaît l'utilisation matérielle et équipement moderne. C'est un pile haïtien qui passe dans l'armée française, l'armée américaine, l'armée canadienne, qui ont le savoir-faire, qui est immédiatement mobilisable. Très bien. Donc, si on m'a dit, je connais deux, trois communications publiques ou cap fait, et vous cap récupérer mon saio, et je connais par exemple tout le monde qui est disponible à l'étranger, je connais habitué avec matériel et équipement moderne. Très bien. Maintenant, je connais côté pour joindre tout. Donc, je ne suis pas dans une situation quand nous sommes là, et puis je n'ai pas de réponse à des problèmes. Maintenant, le matériel létal. Mais mon cap veut nous perdre pour pile côté, ou bien le Brésil, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Afrique, pour pile côté Capabedo. Mais nous avons pris précaution pour éviter, dans la situation où il est là, de bagages qui cap heurter les États-Unis qui ont un problème avec lui déjà. Et pas possible. En tout cas, pour l'histoire et la vérité, colonel Himmler Rebut, et on t'y rappelle, le président Jean-Paul Aristide était pris décision pour craser la mer, si nous avons dit comme ça. Maintenant, les équipements de l'armée, ça ne dégaine comme équipement. Côté bas, ça ne dégaine pas. Côté bas, c'est. Il y a un pile que les Américains ont été saisis, ont été détruits. Il y a un pile de matériel que nous-mêmes nous devons en bas, fil de fait. Ok. Il y a un matériel aviation que nous devons vendre avec un pays comme les Philippines. Nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Ah, nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Oui, oui. Nous avons 6 avions que le président Duvalier a acheté en Italie. Si a marketé à Eurélé. Nous avons missile RR, Air Sol. Wow. Là, l'armée d'Haïti a fait acquisition avion ça. Pas oublier que nous avons 48 objets volants. Et avions de reconnaissance et avions de transport. Hélicoptère. Donc, nous avons 48 objets volants, et dit entre avion avec hélicoptère. Avion, hélicoptère, avion de transport, avion de reconnaissance, et hélicoptère de transport, hélicoptère et de reconnaissance, nous avons tout. Donc, Amérique n'est pas tout ça en net.
Non, non, grand pile, c'est mon nom la médaille qui te vanyo, gros chef yo te vanyo. Qui te vanyo? Je te vanyo à Philippines. Et puis, le président de Vincent là, américain était rentré, et je te prends tout, par exemple, tout document, et sous renseignement, tout personnel là, mais là, il y a aux États-Unis, et général Shelton, général qui était semblé avec Raoul Sébastien. Il te mettait toute bibliothèque 4 générales là dans le conteneur, ni bibliothèque académie militaire tout, il était chargé sous bateau aller aux États-Unis avec eux. Toute bibliothèque académie militaire. Académie militaire, grand quartier général des forces armées d'Haïti. Tout est document. Si je dis, il y a un dossier comme officier, bien que Raoul avec Silva, il y a un dossier, il doit être là dernier, il y a un pile et bagaille et jugement que je fais pour la mieux. Un document qui était près de 1 mètre en de l'eau. Moi, je vois à peine un document de 12 cm que j'ai tiré en pile à suivre là-dedans. Enfin, mais je suis aux États-Unis. Donc, il y a un pile de bagages qui sont capables de faire pour nous. Et conseil que moi-même, je suis capable, comme son bail public lié, parce que j'ai évité notre contact avec l'élément d'état-major. Parce que nous sommes éléments subversifs naturellement. Je ne veux pas le mettre en position délicate. Même profiter de l'occasion, ça, et que le matin débat n'a pas ouvert son discussion. N'a pas parlé de nos discussions ouvertes. Il y a un travail que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire observer sur qualité, typologie, ZAM, hélicoptère, drone qui est en circulation au niveau du monde, je dis, catégorisé, qui ça y a eu le droit les États-Unis, qui pas l'état. Et ça qui l'état, le côté capable de venir. Parce que si nous disons nous avons une bonne couverture aérienne, nous ne pouvons pas résoudre le problème de reste là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est deux travail que nous capable de faire. Et il y a un listing de anciens. Hier matin, il y a un sergent qui a parlé avec Wendell Théodore, qui toujours un échange. C'est le monde qui a des rentrées, c'est le monde qui fait Afghanistan, qui fait Irak, qui fait la Syrie. Donc c'est le monde qui a une certaine expérience et qui a un désir, volonté pour aider Haïti. Donc puis le monde qui comprend qu'il y a besoin d'autorisation les États-Unis pour ça, c'est pas vrai. Les États-Unis pas leur vont retraiter. Li pas et il doit disposer à travailler dans le pays, à servir le pays. Donc c'est un matériel humain qui est mobilisable, qui a des compétences. Nous sommes capables d'établir contact avec eux pour joindre renseignement ou je le par exemple pour avoir sous piste bon côté des États-Unis. Bon, c'est de bagaille nous cap bandé, c'est de bagaille l'un par l'autre. Il y a pour qui ça nous dit. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, nous avons pile travail et nous avons pour nous faire là et je veux dire là parce que pas plus que nous sommes plus en 86 et 90, je dis à nous en 2024, c'est-à-dire l'armée qui là au état-major là, faut. Je dis, ça passe avec les Américains pour en général en débarquer, les ramasser tout ça comme archive dans la bibliothèque, l'académie militaire, également quand tu es à la velle, pour ça pas arrive encore. Ok, faut au moins je dis qu'on travaille numérique qui fait tout. Parce que nous parlons 90 encore. Eh bien, c'est ça, Mabdou. Pendant la période ça là, c'est ça pour l'état-major, tu as profité fait. Oui. De toute façon, joue problème dans poser pour avoir une réponse à toutes les questions. À toutes les questions, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci un peu, colonel Imla Rebi, merci pour ton temps. Merci un peu. Bon travail. Merci un peu. Première dame, non, Michel Bennett, qui dit tout ça, colonel Rebi dit, c'est vérité, oui. Non, c'est vérité, au colonel Imla Rebi. Colonel Rebi dit vrai, selon la première dame de la République, donc, madame Michel Bennett. Si nous analysons l'information que colonel Imla Rebi baille là matin, sous question de l'armée, pourquoi ça était important pour nous deviner sous question avec le colonel Imler Rebi? Parce que pas oublier que une génération qui n'a pas contacté passé dans le pays en 90, en 86, par matin, tout. Ok? Parce que j'ai battu Aristide, l'aile de président, qui a des jeunes garçons qui ont 10 ans. Oula, et je dis à qui a 30 ans. Ok? Qui a 30 ans? Ça a été 5 ans. Ça a été 5 ans. Ok? Jeunes garçons qui vivent 2004 là.
il pas connaît ça qui t'est passé en 90, il pas de maturité politique en 90. Comment bah il pas connaît là. Mais si il gagne. Pas connaît et avion qui gagne missile. Non, pas comme ça. OK. Et dit que jeune garçon ça pas connaît ça qui t'est passé en 90 qui en 2004. OK, qui t'a gagné 10 ans en 2004, il pas connaît ça qui t'est passé en politique dans pays en 1990, madame monsieur. Jodi a nuit nous en 2024. Donc 2004 à 2024, ça fait exactement 20 ans. Je dis à jeune garçon, ça a exactement 30 ans. C'est même je dis à Isaïe César, ou jeune garçon qui a 30 ans, je dis à là, qui pas connaît ça qui est passé avec Jean-Baptiste Aristide. Demande à mon de Jean, Aristide l'arrivé sous lui, je dis à là. Ou pas capable d'Aristide mal devant nous? Jamais. Parce que le pape connaît que tu as un problème, que là, voilà, c'est un pile problème dans le pays. Il va connaître ça yo. Il va connaître. Après la métier manchette, il va connaître mon frère. Il va connaître. OK? Si on vend New Aristide Jodia qui gon université, qui gon l'hôpital. Ou pas capable Aristide mal devant. Aristide bon monde. Oui, Aristide bon monde. Petit ange. Petit ange. Oui. Ouais, sous comprendre madame monsieur. Nous même je Jodia, il est important. Il est important pour nous connaître. Mais chanceté que nous-mêmes nous fait tête nous. Comment t'as fait comprendre que on l'a met, c'est encore les officiers de cette armée. Donc en fait, c'est encore haïtien qui n'a l'armée qu'à vendre matériel l'armée. Et Dominique, il était peine en pile en pile. Esaïe, il était qu'un pile respect pour nous. Esaïe, comment tu as dit ça? Lorsqu'on a l'armée qui a 48 objets volants, genre que et qu'on a l'imne et bisou dit là. Comment tu as dit ça dans le Caraïbe? Nous pas pas qu'aucun Japon aux États-Unis t'as quitté Haïti monter avec la mission dans la Caraïbe, madame monsieur. 48 objets volants entre avion et hélicoptère. Hélicoptère. T'en te gagne dans l'armée. Nous te gagne tank. Nous te gagne avion missile. Et puis c'est encore nous-mêmes haïtiens qui venons à l'autre monde. C'est un pile officier de l'armée. Un pile gros ancien général qui a un pile question pour répondre là. Qui les a pas eu là de Guetta Mouy? Simplement fait coup d'état. Comment ça veut dire, madame monsieur? Je dis que les États-Unis ne peuvent jamais quitter Haïti, monter, jouer, tap monter là, avec une armée, ok? Qui tape l'armée la plus puissante de la Caraïbe. Ils ne peuvent jamais quitter le monter là. Jodia, l'armée a crassé avec qui est-ce? Avec la complicité encore des Haïtiens. C'est nous-mêmes encore qui crassé pour peut-être pas nous. Et puis je dis pour nous plein pour question de sécurité. Je dis pour nous plein pour barbecue, pour ISO, pour Tilabli, pour le mois sans jour. Parce que nous mettons tête nous là. Alors ce dégât là, mais là, toujours, tape ça dans le pays là. Et puis qu'on paquet de bagages, tout qui va la priver dans le pays là. Parce qu'on parle de désordre qui arrive dans le pays, c'est parce que justement, par exemple, donc l'on ne peut pas gagner papa, donc l'on qui va arriver. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage que c'est encore celui-même qui arrive là. Bon, en tout cas, son dossier n'a pas tourné sur lui parce que. En tout cas, je vais parler avec divers autres. Il y a un général qui est toujours là, ok? Oui. Il y a un général qui est toujours là. Et je salue le général Mondésir Beaubouin, ouais. Ancien ministre intérieur. Général. Nous avons pile bail pour nous parler. Si vous ne voulez pas parler dans la radio, je vais venir côté pour nous quelques explications. Parce que faut nous connaître. Haïti besoin de connaître la vérité. Non, faut nous connaître la vérité. Nous avons besoin de vérité. Et pas vérité à commencer à parler là dans mon cas. Moi-même, pas connaître ça. Je vais saluer le général Mondésir Beaubouin. Ok. Sami, moi. Ok. Et qui a pile vérité pour le partager avec nous dans le matin de Balgo. La raison qui fait nous venir sur ça, c'est position. C'est la deux au bureau. C'est nous-mêmes qui haïtiens, nous-mêmes qui le bois aux États-Unis ensemble avec eux, gonfler pour nous rencontrer avec eux, pour nous renforcer position là. Pour nous renforcer, pour nous avoir une belle plus élément pour nous continuer la bataille là. Parce que si nous pas un gros leader, un deux trois sénateurs pour mener une bataille avec nous, pour nous, aux États-Unis, eh bien, nous dehors. Eh bien, ok.